et c'est normal que des explications soient attendues. Moi aussi, j'attends de savoir ce qui s'est passé réellement et l'enchaînement des causes. Mais c'est, et tout en entendant et en comprenant cette colère, l'autre élément, c'est aussi le temps du deuil. Et il faut aussi que nous prenions le temps d'accompagner les familles des victimes et d'accompagner les personnes elles-mêmes touchées dans leur organisation matérielle, les enfants, il y a les questions de l'école. Enfin, il faut quand même qu'on puisse faire ce travail-là. Et c'est fondamental. Et c'est ce à quoi je vais m'envoyer maintenant, tout en m'assurant évidemment dans mon rôle de maire que nous aurons les réponses aux questions légitimes que se posent les habitants, mais que j'ai posées aussi en demandant quelles sont les raisons de cet incendie. Et puis ensuite, nous reviendrons. Et je me suis engagée auprès des habitants, mais ils me connaissent. Viendra le temps des explications, mais des explications apportées par les services de l'État sur ces questions-là. Certains habitants ont parlé d'un accès fermé sur l'immeuble. Est-ce que c'est... Non, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est que nous attendions les résultats de l'enquête. Vous m'avez posé la question des travaux. Les travaux ont été faits, d'autres étaient programmés, mais sur l'ensemble des 1300 logements qui concernent toute cette copropriété, puisqu'il y a plusieurs immeubles, comme vous le voyez. Et donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire au moment où j'en suis. Et puis, nous verrons bien les conclusions de l'enquête. Je vous remercie. Et puis, encore une fois, je profite de vos micros pour remercier les Vaudaises et les Vaudais qui sont dans la solidarité. Remercier messieurs les ministres et monsieur le ministre du Logement qui restent avec moi pour que nous puissions aller trouver des solutions de relogement en famille. Et donc, nous allons les rencontrer maintenant. Merci. Merci.